national, nous avons avec nous une porte-parole, c'est Tamara Oyan. Tamara, bonjour. Bonjour Gagé, bonjour Pierre-Renel, bonjour avec tout auditeur radio et Caraïbes, avec un petit plaisir, je m'appelle dialoguer avec ton matin. Oui, un petit bilan là, sur ces nouveaux concerts qui ont démarré, qui se dirait un secteur qui rencontrait, qui s'est discuté, et un nouveau Premier ministre. Ça fait beaucoup de questions à la fois, pour commencer d'abord par une générale question, puisqu'on connaît depuis le gouvernement démissionné, qui a dit que 165 commissions publiques, le gouvernement a voté en fonction pour liquider les affaires courantes en attendant de mieux l'autre gouvernement qui est installé, et nous-mêmes au niveau du pouvoir, nous voulons aller vite, nous voulons aller bien, et c'est ça qui fait. Il y a déjà des discussions qui commencent à engager notamment avec le président de chambre du nouveau parlement, qui a des rencontres qui fait également avec plusieurs autres secteurs dans la vie nationale, le chef d'État qui a rencontré avec le secteur privé à faire, il a rencontré tout avec le secteur protestant, il a rencontré également avec le conseil évêque, toujours dans l'idée pour nous capables de jouer et passer peut-être en solution et avec ça que nous contribuons, mais tout pour nous garder. Qui je nous prie choisir au gouvernement, je peux vous donner une adresse nationale, au gouvernement, pour nous former un gouvernement inclusif qui fera le travail pour nous capables de soulager les populations. Mais c'est vrai que nous voulons aller vite et bien, mais pour le moment, pour qu'on ait un nom qui n'était sous aucun monde, mais profil pour capable des futurs premiers ministres, gagner jeudi, il faut que c'est un monde qui est capable de réunir une majorité et qui a des capacités tout pour aider le président Jovenel Moïse à tenir les visions qu'il gagne pour aider les médias à aider sur le développement. Oui, donc je me disais là, il y a d'autres secteurs, le président a continué à rencontrer toujours. Écoutez, notre cadre de conseil pour mettre le gouvernement sous pied, pas qu'un seul secteur que nous avons évité. Au contraire, tant que nous avons gagné toute force vive en notre pays qui voulait chita pour nous, qui t'a convaincu qu'il y a l'objet pour nous capables de monter le gouvernement inclusif ça, puisque le gouvernement, Jean-Président déjà dit, le mot inclusif signifie que tout le monde la donne, pour tout secteur a gagné, on a dialogue pour nous continuer de discuter, pour nous joindre le meilleur profil qu'il faut pour nous capables, pour le gouvernement d'une part, et venir travailler pour nous capables d'améliorer les conditions de la vie population. Et comment ça peut être fait après ce conseil, c'est ce secteur qui a proposé le monde ou bien c'est le président lui-même qui a fait le choix? On connaît que la constitution est claire. Il dit qu'en consultation avec le président de Chambio, le président républicain a choisi le premier ministre. Donc, notre choix, nous ne pouvons pas nous demander qu'il nous dit que la constitution est dit. Cependant, la quatre discussions qui a fait avec le secteur, chaque secteur qui est dans le pays, au profil au monde, qui est dans le pays, qui est dans le qui menait par le gouvernement. Même si pour qu'on ait nous qui mettons sous les mains, notre cadre du choix. Premier ministre, nous ne parlons jamais de maquillons du tout de sa constitution que il y a dit. Non, la bouquette du jour encore. Nous parlons la bouquette du jour encore. Nous voulons aller vite et nous voulons aller bien aussi. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous prenons 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, nous ne pouvons pas dire la prendre 1 semaine, 2 semaines, nous voulons aller vite et nous voulons aller bien, mais en attendant que nous fassions choix ça, pour des choix qui va nous aider à aspirations tout le secteur dans la vie nationale, non, eh bien, le gouvernement va l'appliquer en fonction jusqu'à ce qu'il quitte les affaires courantes, mais le président Jovenel Moïse, pas chômé du tout, il a consultation 24 sur 24, nous sommes capables de former dans longtemps, avant longtemps, le prochain gouvernement. Mais non, c'est toi, président, que vous rencontrez, qui c'est toi que vous chitez à parler avec vous? Ou moi-même qui c'est toi que vous chitez à parler avec vous. Je connais que je dis, si moi, ma femme de Fogué, on est parti dans le secteur, vous demandez que nous rencontrer, il y a de l'autre secteur pour le secteur de l'agir, mais on a bien pour nous rencontrer avant longtemps, mais peut-être que je parle de toi, avant de profiter des mots de peur que peut-être que rencontre ça n'a pas fait l'agenda, semaine ça, qu'a fait l'autre semaine, même connaît, et semaine ça, on est parti dans le secteur vaudois que la rencontre, puisque lundi, il était rencontré déjà avec une première partie secteur vaudois. On fait avec même une disponibilité qui m'a toujours partagé toute information qui est au niveau de la présidence et merci encore pour l'opportunité à la journée. Merci pour une porte-parole. Nous rejoignons finalement le coordinateur de la brigade de anti-corruption Sosson Dumé. Brigade anti-corruption qui fait partie
organisation syndicale, chef l'État a invité matin pour parler avec les employés nationaux et continuer les consultations pour arriver à un nouveau premier ministre. Dumé Soso, bonjour. Président républicain sur situation pays à vivre, je dirais, et tout, une possibilité pour que nous-mêmes nous disions, nous, pas nous, sous, même si tu as vu le nouveau premier ministre, on annonçait que brigade anticorruption va participer dans le contrat pour tout ça. Bon, nous avons dit que normalement, par rapport à ça, nous avons une invitation à nous expliquer que nous avons une durée, parce que par le fait que nous comprenons que lorsque lui-même était bon, il était dans le grand pouvoir ou bien le village, il n'a pas été toujours utilisé au monde institutionnel tout ça. Donc nous dépit pour nous voir façon de faire invitation, nous pas des officiels qui contactent nous, c'est par rapport à notre syndicaliste pour ça. Donc nous estimons que dans ce cabinet président a supposé utiliser une forme qui nous dira officiel pour qu'il a fait invitation. Donc dans ce cas nous-mêmes, nous pas en train d'accepter et de toute façon nous pensons que une invitation de façon formelle, mais nous disons que nous ne pouvons pas participer par rapport à l'ensemble des rapports qu'on va participer avec le président, tout ça, et des satisfactions que nous allons joindre. Donc, dans ce cas, nous pensons que nous allons prendre un moment ça, sur le comportement, pour voir ça, et pour nous participer dans la rapport avec le président. Mais nous faisons partie de l'organisation TLC-Glev, récemment, et il y a au niveau de Bouzane, qui positionne des gagnants récemment sur cette situation politique. Nous faisons partie tout de l'organisation pour qu'on ait départ président Jovenel Moïse, non? Bon, nous avons dit que c'est nous-mêmes qui devons inviter à ce déjeuner. C'est par rapport à l'ensemble de revendications qui ont été gagnées depuis lorsque le président a pris une décision pour le démonter gaz en mai 2017 et que nous-mêmes, les abrigades de la porte pour l'entrée, surtout au réseau syndical pour la modernisation du transport et que nous-mêmes, nous ne sommes pas satisfaits des façons que les négociations ont été faites parce que nous sommes censés. Parce que nous faisons un accord du côté de nous, démonter gaz là, une façon qui pas proposé et que nous étions en train de faire un CD arrivé du côté de ajustement ça, ou avec une tête de la journée de nous-mêmes, nous dénoncer à quoi ça, et qu'une dit plus président, vous ne plus président par rapport à cette situation, donc question à quoi ça fait, n'est pas respecté, j'ai créé 9 mars et 95 ans, donc nous-mêmes, nous déjà arrivons à ça, c'est après nous, nous mettons des campions en commission, qui entrent dans nos logiques pour fonctionner tout ça, que le président a fait, pour nous sommes fédérés dans cette protestation, c'est quoi, c'est que nous-mêmes, nous mettons du coup, des commissions, ça, c'est dans le même logique, que la commission a entraîné dans le pays. Avec des pouvoirs qui veulent mettre pour nous là et nous annoncer que c'est tant que nous n'avons pas arrivé dans le pays depuis trois ans par rapport à la situation, décision d'arrêt qui est dérivée en situation qui va satisfaire par rapport à la vie, à tout ça, des secteurs par rapport à l'intérêt, situation ouvrière ou PSU, augmenter des secteurs par rapport à justement tenir compte pour la vie. Donc, dans ce cas, nous pensons que il va être nécessaire pour ce contrat de décision de fait. Et lorsque le président entre dans l'autre pour lui faire consultation, nous pensons que c'est bien. Donc nous-mêmes, nous avons toujours fait valoir en tant que revendication, recommandation, mais nous rappelons, moi, novembre 2017, après nous défaire les grèves pour le budget, et que pour nous dénoncer parce que le budget s'est présenté, donc nous avons agité avec le président, nous avons fait recommandation, nous avons fait le président, et sinon, normalement, nous allons agir pour eux, et puis après, nous n'avons pas rien qui fait. Donc, dans ce sens-là, nous avons parlé de remonter des programmes à business social par rapport avec les questions. Quel est
de sa volée radio. Là, nous parlons d'une question ça. Nous nous disons, est-ce que nous avons fait partie de l'organisation pour prendre le départ pour les gens de la maison? Oui ou non? Bon, nous capables de dire que ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait qui demandé le départ président. Donc, le premier temps, nous avons fait une revendication, c'est que nous avons dit que le président n'a pas rentré dans la logique de Montégas. Si Montégas, la population n'a pas de moyens pour nous répondre à cette situation. Donc, là, nous venons de président pas attendu, le gouvernement n'a pas attendu, il est rentré dans la logique. C'était Guiné Soussou, coordinateur national de la brigade de Tchèque. Donc, l'organisation ça, la secteur syndicale lui-même, qui dit clairement qu'il n'est pas participé dans la rencontre avec le chef d'État. Et pourquoi que c'est connu l'organisation qui boudait publiquement l'invitation que le chef d'État a fait depuis la série et la consultation ça publiquement, parce qu'il y a des notes qui peut-être que la France n'a pas recours. Et en tout cas, il y a des notes secteurs voilà, qui a dit beaucoup rencontrés, donc le secteur familial, universitaire, secteur paysan, d'ailleurs, le citoyen paysan qui était déjà participé, même non seulement rappelé que le porte-parole des exemples a gagné tout détail sur notre secteur. Le président doit rencontrer, donc probablement, ça a fait un jour au Cap-Vénier.